Très bien, prenez votre agenda pour la Saint-Mathieu, s'il vous plaît. Mais c'est quand, ça? Vous devriez le savoir, vous devez tous avoir un calendrier des saints depuis la fin des lois sur la laïcité. Alors, c'est le 21 septembre. Allez-y, vous notez. Réalisez à l'échelle 1/200 000e le monastère. Mais monsieur, c'est ça l'objet technique cette année? Et oui, on n'a plus le droit de faire d'objets laïques, on est obligé de faire des objets religieux. J'y suis pour rien, c'est la loi, c'est comme ça. C'était mieux avant, on faisait une lampe. Et la main de Fatma au Bouddha, on ne fait pas? Si, au second trimestre. Mais avant, on faisait la cité de Carcassonne et le viaduc de Milo. Eh bien, cette année, on fera Notre-Dame de Paris et la mosquée de Toulouse, c'est comme ça. Allez, vous notez, s'il vous plaît. C'était mieux avant. Monsieur, où est mon ami Moïcha? Et Mohamed? Oui, on a toujours été dans la même classe depuis la maternelle. Et Jean, il est où? Oui, voilà. C'est vrai. Depuis la fin des lois sur la laïcité, on peut regrouper les élèves selon leur confession religieuse, ou pas, à la demande des parents. Trop bien. S'il vous plaît, moins de bruit. Roi de nous, la laïcité. Allez, tous ensemble, on respecte le tempo. 1, 2. Voilà, un petit peu plus d'énergie. Ave Maria, Ave Maria. Il y a la victoire, vous allez vous y mettre. Hein. Monsieur, c'est nul. Avant, on faisait du Goldman, du Michel Berger. Ou les chansons des films Disney. Et là, on doit chanter Ave Maria, interprété par Denis Roussos. Ou les chants soufis pakistanais, repris par Maître Gims. Ou les chants tibétains en duo. Ou les chants hébreux de l'Exode en solo. Je n'y arriverai jamais. La galère. C'était mieux avant. Calmez-vous, j'y suis pour rien. C'est la loi anti-laïcité qui veut ça. Je ne peux vous faire étudier que des chants religieux. Nous, on préfère chanter Balavoine. Ou Gilbert Montagné. Vous avez raison. Goldman et Berger sont des dieux. Mais j'ai plus le droit. C'est comme ça. Mais monsieur, on veut chanter comme avant, un répertoire libre et laïque. Allez, on enchaîne. Petit problème, je dicte. 3 moines tibétains. 3 curés, 3 rabbins et 3 imams. Achètent un cadeau à leurs parents pour Noël. Ils aiment et respectent leurs parents. Ils disposent chacun de 30 euros. La question ? Calculer la somme dépensée en tout, sachant qu'ils achètent le même cadeau à leurs parents. Mais monsieur, c'est quoi ces énoncés ? Oui, avant on avait des énoncés neutres. Là on n'a que des énoncés avec de la religion. Allez, taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Oui, en géométrie, on fait que des rosaces, des croix et des arabesques. Vous savez, c'est la nouvelle loi. Il faut faire de la religion en mathématiques. En plus, avec la fin de la laïcité, il n'y a plus de prof. Ah ouais, mais c'est trop nul. C'était mieux avec la laïcité. C'est la nouvelle loi. C'est comme ça, fini la laïcité. Et dépêchez-vous maintenant. Vous savez bien qu'on a un grand programme. Jusqu'à la Sainte-Honorée, il faut qu'on parte donc en grand voyage. À la mosquée de Paris, à Lourdes, au centre tibétain de Toulouse, donc au boulot. On est l'hôpital, non, mais on veut Thalès et Euclide. J'en peux plus, il faut faire quelque chose. Pour que la laïcité ne devienne pas une fiction, il faut la protéger. La laïcité, c'est pas de cinéma. Sans laïcité, pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité.